Et salut à tous, salut YouTube et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing. Alors, cet unboxing, il a un petit peu de retard. Il a même une petite année de retard, puisqu'il s'agit de la DJI Osmo Action. Donc, ça fait un moment que j'avais besoin d'une seconde caméra pour faire mes vidéos. Soit une caméra plus petite, plus compacte, soit une caméra surtout avec une netteté plus importante. Et donc, nous sommes aujourd'hui aux alentours du 20 mai. Et on est sorti du confinement depuis le 11 mai, c'est-à-dire ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques mois s'en rappelleront. Donc c'est une caméra que j'ai commandée pendant le confinement, que j'ai commandée sur eBay, que j'ai payé un petit peu plus cher parce que je voulais qu'elle soit expédiée par un vendeur français et non pas par un vendeur chinois. Et puis finalement, manque de bol, c'est déjà une vidéo en retard, et ben j'ai quand même reçu la caméra en retard. Voilà, donc on fait avec, c'était notre petit aparté. Donc moi jusqu'à présent, je filme avec mon caméscope Panasonic, donc je suis pleinement satisfait, mais j'avais besoin d'une seconde caméra. Alors j'avais conservé ma caméra avec laquelle j'ai fait mes débuts sur YouTube, qui est la Tech X-Pro 2 Plus 4K. C'est une très bonne caméra pour le prix que je l'ai payé. Le micro est d'assez bonne qualité. Par contre, même lorsque l'on filme en 4K, ben, on a beau faire ce qu'on veut. Si on filme de l'herbe, on a une grande étendue verte, très lumineuse parce que c'est du 4K, mais très peu détaillée. Voilà, donc c'est une bonne caméra, mais d'une qualité moyenne. Et au jour d'aujourd'hui, la GoPro Hero 8 est déjà sortie, mais personnellement elle me plaît pas parce que d'abord elle est relativement chère, je trouve, et ensuite elle a très peu d'évolution par rapport à la GoPro Hero 7, voire même elle s'est pas améliorée, je dirais même qu'elle a régressé par rapport à la Hero 7, puisque cette caméra, la DJI Osmo Action, est plutôt une comparaison avec la Hero 7 que la Hero 8, mais elle a des avantages par rapport même à la Hero 8 qu'on ne trouve pas chez GoPro. Voilà, c'est à dire que GoPro, c'est une marque qui aujourd'hui fait tout payer, un petit peu comme Apple, un petit peu comme DJI aussi. Il faut pas croire que c'est gratuit chez DJI, mais par exemple cette caméra avait l'avantage d'avoir un écran en façade, alors que la GoPro, il faut acheter un écran déporté qui coûte 90 €. Cet écran déporté, je crois qu'il faut le fixer sur le cadre qui supporte le micro, qui coûte encore 90 €, c'est à dire vous payez 400 balles la caméra, encore 180 € de matos. Et à ce prix là vous achetez un vrai caméscope et c'est nettement mieux. Voilà. Alors cette caméra, on va la déballer, c'est assez vite fait, on va dire, parce que malheureusement maintenant dans les unboxings il y a de moins en moins de matos dans les boîtes à part le produit lui-même, mais on va quand même vérifier. Donc alors, nous avons ici la caméra. Je vais faire un petit gros plan. Alors on commence par la caméra qui est contenue dans sa cage. Bon, du classique. Alors ici, dans cette boîte, alors la batterie contenue elle-même dans une petite boîte en plastique, c'est pas mal, ça protège. Voilà. Alors la batterie est avec un joint ici, donc la caméra est étanche à 11 mètres. Et on peut dans la boîte ranger une micro SD en supplément, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Hop là. Alors on a également cet accessoire autocollant, donc il vient se fixer ben là où vous avez nécessité de le coller. C'est coincé au fond. On en a un second, donc qui ici a une forme incurvée. Les motards sauront pourquoi. Hop là. On a ici donc la vis qui vient se fixer sur les accessoires. Alors les accessoires GoPro a priori sont compatibles avec cette caméra,
ce qui est une bonne idée pour ceux qui ont déjà une GoPro, ben, si vous avez déjà des accessoires. Et vous avez le câble USB, donc USB normal, USB type C de ce côté. Et la caméra, alors quand on la prend en main, c'est déjà bien, hein, c'est assez lourd, c'est assez costaud. On ouvre ici la petite cage, on dégage la caméra. Voilà. C'est très agréable au toucher. C'est un plastique granuleux, qui est pas mal du tout. Qui est pas mal du tout. Voilà. Alors, pour moi, personnellement, le fait de ne pas avoir un retour vidéo sur une caméra, c'est un véritable problème. Donc, ce qui a guidé mon choix vers la DJI Osmo Action, c'est cet écran-là qui permet d'avoir le retour vidéo lorsque vous vous filmez. Et c'est relativement important. Et sur la GoPro Hero 8, pour ceux qui ont suivi d'autres tutos ou d'autres dépannages, vous n'avez pas ici cette partie qui se démonte, c'est devenu fixe. Donc si vous endommagez la vitre, la vache, il en serra la pince. Donc si vous endommagez la vitre sur la GoPro, il faut voir combien coûte la réparation. Là, l'avantage, voilà, c'est que on peut sortir cette pièce, vous mettez après des filtres, à vous de voir. Voilà. Donc on insère la batterie de ce côté. Voilà. On entend le double clac, donc ça signifie que la batterie est bien insérée. D'ailleurs, il vaut mieux qu'elle soit bien insérée puisque la caméra est étanche. Ici, et ça s'ouvre comment ? Voilà. Donc ici, on a la trappe pour mettre la carte SD, la micro SD, et ici, brancher l'USB type C. Cette trappe, elle doit être, je pense, amovible, voilà. Donc vous pouvez la retirer pour mettre sûrement d'autres accessoires. Vous trouverez chez DJI. Par contre, elle est quand même relativement dure. On a peur de la casser. Enfin, moi, j'ai peur de la casser, du moins. Donc pour pas forcer, je regarderai ça après. Voilà. Pour la caméra, donc moi j'ai acheté cette carte là, donc la SanDisk, voilà, qui est une carte donc au format A2, elle est en catégorie 3, V30 en 64 Go. Bon, après la contenance de la carte, c'est à votre choix, hein, tout dépend du budget que vous voulez y mettre. 160 speed up tout 160 mégabits par seconde, voilà, et 60 mégabits en écriture, donc c'est pas mal du tout. Voilà, c'est une carte exprès pour filmer en 4K. Lorsque vous allumez, donc vous avez le menu qui s'affiche. Alors très honnêtement, l'écran est de super bonne qualité parce que c'est écrit hyper net comparé à celle-là. Où tous les modes d'écriture sont vachement, comment dire, pas pixelisés mais granuleux, donc pas bien terrible. Ici, c'est très très net. La caméra, comme je vous l'ai dit au toucher, elle fait vraiment vraiment solide, quoi. C'est très agréable. Petit aparté, vous voyez, bon, je ne l'ai pas filmé parce que ça a été relativement long, mais je m'en aperçois. Lorsque vous déboîtez la trappe est articulée, c'est-à-dire pas articulée juste en s'ouvrant et en se fermant, mais articulée parce que, vous voyez, elle glisse de cette manière-là.
Donc lorsque vous voulez remettre la trappe, il faut en fait la faire glisser sur elle-même pour que l'ergot ressorte et que vous puissiez le clipser. Sinon, vous allez galérer pour le remettre, c'est l'enfer. Ce qui est décevant au niveau de ces accessoires, c'est que DJI donc, fournit ce socle qui est assez bien fait, on va dire. Donc il vient se fixer ici sur la cage qui contient la caméra par le biais de cette vis. Vous connaissez ce système, c'est celui de chez GoPro. Et on vient le clipser donc ici par un quart de tour. On a entendu. Et on a ici un extracteur, donc il suffit d'appuyer, de tourner pour changer l'accessoire. Mais ce qui est décevant, c'est que ici la pièce se colle, celle-là aussi est autocollante pour la mettre sur un casque, mais ils n'ont pas pourvu sur la pièce principale que je vais retirer. Ils n'ont pas pourvu à cet endroit-là, puisqu'ici la pièce est creuse au milieu, un pas de vis pour pouvoir la fixer sur un trépied de caméra. Ce qui est nul, quoi, parce que franchement, si vous voulez filmer en fixe avec votre GoPro sur un trépied de caméra, ben vous pouvez pas la mettre, il va falloir coller ça quelque part, c'est nul, quoi. Donc ils auraient pu tout simplement insérer un pas de vis standard que vous vissez sur le socle de votre trépied et que vous venez clipser sur votre trépied tel que ça se fait. Bon, moi personnellement, pour une utilisation fixe, ça m'aurait bien arrangé que justement il y ait ce pas de vis ici. Il va donc falloir que j'achète un accessoire si je le trouve, ou que j'en bricole un pour pouvoir mettre cette caméra sur mon trépied. Alors, revirement de situation, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis vite parti rechercher mes accessoires donc de cette caméra tech. Voilà, donc qui est livrée d'origine avec une cage, avec bon, tout ça pour un prix mini. Donc voilà les accessoires qui sont liés à l'Osmo Pocket, l'Osmo Action, pardon, donc qui sont ces deux points de fixation et cet ergot. Et voilà les accessoires donc, que j'avais avec la tech. Donc on voit ici que cet accessoire est pourvu d'un pas de vis. Donc ce pas de vis est au format standard et on peut le fixer sur un trépied standard, puisqu'il dispose même d'un second accessoire qui permet lui de venir fixer la cage qui tient la caméra. Bon, ça c'est juste pour la petite histoire. Voilà. Mais du fait que ces accessoires et que les Chinois ne s'embarrassent pas trop, on va dire, des problèmes de concurrence, donc j'extrais cette partie-là. Je récupère donc cette partie-là qui fait partie des accessoires. Donc je viens le mettre ici, hop, en place. Alors ça force un petit peu parce qu'il y a quand même, même s'il ne s'embarrasse pas de certains problèmes de concurrence, il ne s'embarrasse pas non plus des problèmes de précision. Hein. Voilà, bon, mais ça marche quand même. Donc je prends la vis que je viens fixer ici. Voilà, nickel. Donc on voit que l'accessoire s'adapte. Et là, faut juste trouver le bon sens, voilà. Et là, voilà. Maintenant, je vais pouvoir fixer l'Osmo Action par le biais d'un pas de vis standard sur un trépied standard. Voilà. Super. Plutôt que d'acheter des accessoires GoPro qui coûtent un bras, vous avez beaucoup sur Amazon une pléiade d'accessoires qui sont vendus made in China et qui coûte une misère, sur lequel vous aurez tous ces accessoires-là. Voyez ça, les trucs orientables, tout ça. Donc tout ça, vous l'aurez pour une bouchée de pain sur Amazon. Et si c'est compatible avec GoPro, ben c'est compatible avec Osmo Action également. Voilà. Alors la caméra est pourvue donc ici d'un écran en façade qui permet de visionner ce que voit la caméra, donc en retour vidéo. Vous avez ici donc le bouton avec le point rouge qui est le bouton donc marche arrêt pour filmer vos vidéos. Là c'est le bouton marche arrêt de la caméra. Ici ce bouton donc qui est marqué QS
qui va vous donner accès au menu de la caméra, ainsi que sur les parties, sur le switch entre l'écran avant et l'écran arrière. Voilà. Et là, vous avez donc les deux boutons d'éjection de la batterie, et ici, le bouton d'ouverture de la fameuse trappe qui m'a donné un peu de fil à retordre pour la remettre. L'avantage de cette caméra, c'est que surtout, elle a un menu en français. Alors, ceux qui ont suivi l'actualité DJI, et notamment celle des drones, puisque moi je dispose d'un Mavic Pro Platinum, le Mavic Pro est traduit en français au niveau de son menu lorsque vous utilisez un appareil Apple, et reste en anglais lorsque vous utilisez un appareil Android. Merci DJI. Alors, sur cette caméra, le menu est en français, ce qui est quand même relativement bien, parce qu'on a pas mal de termes techniques qui peuvent être contraignants, et c'est mieux de l'avoir en français. Voilà, surtout pour les gens qui, comme moi, ne maîtrisent pas la vidéo à fond. Hein? Voilà les amis, c'était l'unboxing de la DJI Osmo Action. Et j'y reviendrai dessus pour vous présenter quelques fonctions une fois que je l'aurai complètement activée et utilisée depuis quelques temps pour vous dire vraiment ce qu'elle vaut au niveau qualité d'image et non pas vous faire un test vite fait bien fait pour vous dire qu'elle est bien tout de suite et c'est pas le but de la manœuvre. Sur ce, bon après-midi, merci.